C'est hyper calme. Vraiment, là, je suis sur une piste un petit peu perdue. C'est carrément génial. Alors, je suis où? Ben, je suis au Maroc. Parce que le Maroc, c'était forcément un endroit où il fallait que j'aille, puisque les gens sont hyper accueillants. Alors, avec une série qui s'appelle J'irai dormir chez vous, il faut essayer. Alors, je vais donc parcourir un peu le pays, sans aucune préparation, tout seul, sans équipe technique, avec toujours cette idée d'aller dormir chez les gens et de voir en tout cas comment ils vivent. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis pas très inquiet. Et qu'est-ce que je peux ajouter? Inch'Allah. C'est Fès, la vieille ville, la Médina. Alors c'est un endroit assez étonnant parce que c'est énormément de ruelles, il y en a plusieurs milliers, de petites ruelles, des passages. On se perd, mais c'est pas très grand, donc on s'en sort. Et je suis venu ici parce que, bonjour, ça va bien? Je suis venu ici parce que c'est une des plus belles vieilles villes du Maroc, avec l'avantage en plus de ne pas être très touristique. Et donc d'être resté assez authentique, plus accueillant qu'ailleurs. Et en fait, ça me plaît beaucoup. Si vous voulez prendre des belles photos là-haut. Non, c'est bon, c'est bon. Si, c'est gratuit. Si, c'est bien, gratuit, bien. C'est gratuit. Vous êtes journaliste? Oui. Je me suis ravi. Vous êtes ravi, oui. Bon. Non, merci, merci. C'est un cadeau? C'est un cadeau. Bon, d'accord. Ça, c'est gentil. Merci beaucoup. Pardon. Bonjour. Maintenant, le problème, ça va être de ne pas esbigner quelqu'un avec la fiche, avec la caméra. Vous parlez français? Ah bah c'est dommage. Il y a personne qui parle français? Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent? Non? Mais vous parlez quand même un peu parce que vous comprenez ce que je vous dis. Moi, je... Fi Amanallah. Ah bon, vous comprenez pas? Mon arabe n'est pas parfait. Non. Ah, oh, ça c'est gentil. C'est la catastrophe. J'ai failli tomber dans les carottes. Les gens, ils aiment pas qu'on les filme. Oui. Vous parlez français? Non. Ah bon, ben... Alors, il y en a qui n'aiment pas être filmés, et puis il y en a d'autres que ça fait quand même rigoler. Ça a fait, la presse. Ça a fait, c'est ça. Vous parlez français? Ah non, c'est... Non. La France, oui, non. Là. Bah, Arabi, là. Je parle pas non plus. Bon, je sais plus quoi faire. Je rencontre trop de monde. Je sais pas choisir. Coucou. Bon alors hier je suis passé dans cette ruelle et j'avais... Bonjour. Et j'ai vu une porte où quelqu'un est en train de faire brûler du... apparemment des copeaux. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Qu'est-ce que vous faites? Quand tu vois, je travaille. Ben, je vois qu'il se passe quelque chose, mais... Ah, tu peux entrer. Je peux entrer? Ah, tu peux, oui. Bon. C'est difficile de trouver le bon endroit. Ouais. Voilà, ça y est, là je suis bien. Et voilà, là je suis bien, ouais. Et alors, juste pour savoir, votre travail c'est quoi? Vous mettez de la sciure dans le feu? Dans le feu, oui. Pour que je chauffe de l'eau au hammam. Pour chauffer de l'eau pour le hammam. Oui, voilà. Ah oui. C'est mon boulot. C'est votre boulot? Oui, c'est mon boulot. Dans ma vie, c'est mon boulot. Et vous faites ça quand? Tous les jours? Tous les jours, oui. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit, le minimum minuit. Ah bon? Ah oui. Mais et le matin, vous commencez à quelle heure? Vers 7h, comme ça. De 7h à minuit? 7h, oui. Pour que toujours l'eau sera chaude. Voilà. Ah.
m'appelle Azad Oazdine, comme tu veux. Et toi, tu t'appelles... Antoine, pardon. Antoine. Antoine. Oui, Antoine, 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 Antoine. OK. Bon. Et vous avez une famille? Moi? Oui. Ah oui, bien sûr. Ah bah bien sûr. Ah oui, bien sûr, j'ai ma famille. Ah bah oui, voilà. Et alors une femme? Trois femmes? Ah non, j'ai pas... Ah, elle n'a pas encore? J'ai jamais marié. Ah, pas encore? Pas encore, ouais. Et j'habite pas ici à Fès. Ah bon? J'habite à Sahara. Sahara? Ah oui, je suis Sahraoui. Tu sais, je travaille moi pour partir là-bas pour que... Ramener de l'argent. Ramener de l'argent, voilà. Oui. Tu sais, Sahara, rien fait là-bas, presque le désert. Ah, Sahara. Sahara. Oui, 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 mais Sahara. Tu sais, j'aimais pas bien. Sahara, oui, Sahara. Oui, le Sahara. Sahara, oui. Le désert, sauf le sable. Et c'est là, quand vous habitez à Fès, oui. Vous habitez chez quelqu'un? J'ai loué une petite chambre. Et alors, ce soir, vous allez travailler jusqu'à minuit? Minuit, après minuit, je partirai à ma chambre, je dors bien. Et 7h du matin, je me retrouve ici pour travailler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Le travail, c'est la santé. Tu sais bien. Oui, c'est vrai. Ben moi, j'aimerais bien revenir te voir, alors. Merci. C'est possible? OK. Toi, tu viens quand tu veux. Quand je veux. Quand tu veux, tu viens. Sois le bienvenu. D'accord. Ah, je connais ici. Je connais bien. Tu veux aller manger où? Juste après. Juste à côté? Bonjour. 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 Je suis avec lui. Ah oui, il faut coiffer. Hein. Voilà. C'est bon? C'est très bien. Moi, je préfère une omelette. Une omelette? Omelette, ouais. Je prends pareil que lui. Je reste pas, comme je te dis d'ailleurs, je reste pas ici longtemps. Je travaille 3 mois, 4 mois, 5 mois peut-être. Et après je passe. Tu redescends dans le Sahara? Au Sahara, oui, justement. Ah oui. Tu aurais préféré rester au Sahara? Ouais, mais j'ai pas de courage là-bas. Il n'y a pas de travail? Ah oui, bien sûr. Tu peux poser des questions. Mais je vais te poser des questions. Je suis prêt. Je vais te poser une question. Tu es prêt à toutes les questions? Peut-être, je crois. Tu crois que tu es prêt à toutes les questions? Peut-être et je crois. Alors, on va voir tout de suite. tu habites loin? Juste à Rassif. Ça s'appelle Rassif. Bon, et moi, je peux venir chez toi? Oui. Comme je te dis d'ailleurs, soyez les bienvenus. C'est vrai, je viens. Hein. Ah, tu viens, ouais. J'ai un sac ici pour dormir. Ouais. Je viens dormir chez toi. Bien sûr, soyez les bienvenus, ouais. Qu'est-ce que tu dis? Je vais dormir chez toi aussi? Oui, il n'y a pas de problème. Il va encore tout comme ça. Toi, tu vas rentrer, tu rentres pas chez toi alors? Ah non, presque. J'ai peur de l'eau devenir froid. Et il reste 7 tombes cette à l'intérieur personne. Des hammams. Alors je fais, s'il devenait froid, on ne sait jamais. Je peux donner un peu de feu. Alors là, tu vas dormir au hammam? Au hammam, justement. Salut. Allez, merci, salut, M. Antoine. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. De rien. Je vais me coucher. Ciao. Thank you.
Oh pardon, ah, je vais pas arriver à passer. Merci, merci, c'est gentil. Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ici c'est pas le marché aux touristes. Oh pardon. Hey. Oups, pardon, souk. C'est le souk, oui. Ben, c'est très bien. Immersion totale. Qu'est-ce que vous êtes, mécanicien de cocotte minute? Les fourneaux à gaz et les fours, les ça. Ah oui, pour le couscous. Non, non. Ah non, la cuisine. La... Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, je vais pas l'acheter. Hein, parce que c'est... Non. C'est pour le cuisine. Voilà. On ouvre. Il y a des trucs là qui s'allument. Oui, oui. Vous voyez ? On met le pain ici. A, mais au Maroc, il y a beaucoup de gens qui font leur pain comme ça ? Oui, pour le pain à la maison. À la maison. Voilà. Bon, et vous, vous habitez à Fès aussi ? Oui, ici. C'est vrai ? Ici, je suis engagé là. J'ai ma famille. Famille ? Non. Juste marié avec ma femme et j'ai ma... Pas d'enfant ? Non, pas d'enfant. Ah, pourquoi ? Ou comme bon, ça, c'est pour ça. Et moi, j'étais étudiant en France. Ah oui, c'est pour ça que vous parlez bien le français. Enfin, un peu quoi. On peut déjeuner ensemble à midi ? À midi ? Oui. Aujourd'hui, bon, c'est bon. Ça va ? Ouais, demain ou aujourd'hui ? Bah, je sais pas, aujourd'hui, ça peut être sympa. Ouais, bon, vous venez chez moi, je vous invite chez moi. D'accord ? Ouais. Ouais. Avec plaisir. Ouais. On le fait le soir, si vous voulez, comme ça, j'aurai le temps pour préparer, quoi. Bon, c'est pas une invasion chez vous, là, que je fais ? Non. Pas du ça coup. Va, c'est du fond du cœur ? Ouais, bien sûr, ouais. C'est l'spécialité marocaine, alors. Bah, j'ai l'impression, ouais. N'importe quel moment, vous êtes comme chez vous. Alors, ce que alors, je vais c'est... faire, il faut ouais. que je retrouve ici. Voilà, et ça, je vais jamais y arriver. C'est ça le problème. Comment vous trouvez ici ? Bon, moi, je vais vous donner l'adresse exacte d'ici. 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 Et je demande dans le marché, les gens ils vont me ouais. Ah bah d'accord, on fait ça. Vous avez de la chance. Voilà, exactement. Bon, à okay. tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. T'es loin encore chez toi ? Pas trop. Ouais. Ça, la région. Là c'est plus la Médina là. C'est le périphérique. Ah, oui, c'est plus pareil. Ah bon. Tu vois ? C'est pas pareil. Non, c'est vrai que c'est plus ça. Bonjour. Bonjour. Et voilà. Toi, tu fais pas la cuisine. Enfin, la cuisine n'est pas là. C'est vrai, des fois, tu fais la cuisine. Ouais, je l'ai fait. Ah ouais. Ouais. Parce que bon, j'ai passé 5 ans en France, 5 ans en Libye, célibataire, 10 ans célibataire. Ah oui. Alors, on est obligé quand même de faire sa cuisine. Mais quand on est marié, on fait pas ? Non, mais quand on est marié, c'est la femme qui s'occupe. Bon, nous, on dit un truc entre nous, quoi. Dans la femme, je lui dis, bon, toi, tu es ministre de l'Intérieur, moi, je suis ministre de l'Extérieur. C'est-à-dire, je travaille à l'extérieur, je travaille à l'intérieur. D'accord. Voilà. Ah, la passoire. Perdu. Voilà. Et dis-moi, on voit bien qu'on est chez quelqu'un qui vend de la quincaillerie. Hein. Regarde là-haut tout ce qu'il y a. C'est non vrai, ouais. C'est moi qui suis venu ici. C'est ça, parce que bon, elle est descendue chez moi et elle m'a dit non, ça c'est joli, il faut que je l'amène. Demain, tu l'amènes. Sans problème. Ah, là, voilà. Ah, j'ai Ah, j'ai
Donc, je veux faire l'ambition, les ambitions. Ah, d'accord. La prière. Ah, d'accord. Vous mangez tous ensemble normalement. Ouais. Il n'y a que dans les grandes occasions que les hommes et les femmes ne mangent pas ensemble, c'est ça? Exactement. Voilà. Et Deux, il faut manger, tu ne vas pas filmer, après tu ne vas pas trouver la, le poulet. Vous allez tout manger, il n'y aura plus rien pour moi, c'est ça? Ouais. Alors, nous allons manger tout le monde. C'est bien, ça, c'est pas facile, hein? Ça, c'est pas facile à manger. Non, tu peux manger avec la fourchette ou un truc. Ah, cool. Tu peux manger avec ça. Oui, je vais prendre la fourchette. Mais moi, je voulais faire comme vous. Ah, oui. Bah oui. Mais il y a encore une question que je voulais te poser. C'est vrai. Est-ce que moi, je peux passer la nuit ici? Oh ouais, tu peux passer la nuit ici. C'est vrai? C'est ça ce qu'ils m'ont demandé là tout à l'heure. Ils m'ont dit, est-ce qu'elle va passer la nuit ici ou est-ce qu'elle va retourner à l'hôtel? Ben, je dis, moi, je sais pas. Je dis, je sais pas. Je suis... Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a fait beaucoup de photos, je ne sais pas ce qu'elle va faire avec ces photos. Eh ben, bonne nuit! Jackie Chan, Jackie Chan, yes! Bon, alors ici, on est à Midelt. C'est une ville qui se trouve entre le Haut Atlas et le Moyen Atlas, en fait, entre deux montagnes. D'ailleurs, autour, il y a des sommets enneigés. Et moi, j'ai envie d'aller dans un village qui est dans les environs, qui s'appelle Haole, pas facile à dire, bah pour aller voir un petit peu comment ça se passe à la campagne. En plus, cet endroit, il y avait une mine qui est partie, donc je crois que c'est assez désolé. Alors les touristes en général qui viennent ici à Midelt vont voir le cirque de Jafar, qui est un endroit qui doit être somptueux. Mais moi, je vais aller de l'autre côté. J'aime bien en fait, quand tout le monde va à droite, moi j'aime bien aller à gauche. Voilà. Merci. Le problème, c'est qu'ici, il faut que je puisse me déplacer et il faut que je trouve ou une mobylette, ou une moto, ou une voiture, mais j'aimerais mieux une mobylette pour être plus dans l'esprit du pays. Tiens, là, je vois une mobylette, parce qu'il ne voudrait pas me la prêter ou me la louer, lui. Bonjour. C'est à vous la mobylette ? Attendez, je suis là. Parce que je voudrais louer une mobylette. Oui, mobylette, oui. Louer, c'est possible ? Hein ? Non, ce n'est pas possible ici. Oh, il va bien possible. Trouver quelqu'un qui va m'en louer une. Non, c'est pas possible, je pense que c'est pas possible. Pourquoi non ? Pelle de cheval. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je l'utilise. Vous l'utilisez ? Ah. Et qui c'est qui peut m'en prêter une ou la louer? Moi, je veux bien payer. Hein. Je veux pas aller loin, 20, 15, 20 kilomètres. Ah oui? Un ami à lui? Quelqu'un qui connaît? Eh ben, c'est bon, je veux. Oui, je veux, oui. Je peux aller avec, avec toi. Oui? On peut aller chez lui? Oui. Pour lui demander s'il veut bien? Eh ben super. Tu veux louer une moto, non? Moi, je voulais louer une moto, oui. Non, il vaut mieux un mulet.
Ah oui, mais un mulet pour faire 15 km, c'est un peu... Non. C'est trop lent. Moi, les Français, je leur louais les mulets. Oui, mais moi, je veux une mobylette, c'est mieux. La prochaine fois, peut-être. Je suis... On peut monter là ? Je monte derrière, c'est bon. Waha. Moi, j'aime bien quand tu dis waha, parce que ça, ça veut dire ça va. D'accord. Allez, embarquement immédiat. C'est bon ? Ça va. Super. Et ben voilà. Bonjour. Il accepte. Ah, lui, il accepte ? Oui. Ah. Combien ? Alors, fais voir, c'est laquelle d'abord ? Scooter. Ah, ouais. Un scooter ? Scooter. Oula. Il est pas neuf, hein. Alors. Attends, il faut que je regarde. L'engin. Bon, il marche bien ? Il marche bien. C'est sûr ? Parce que si je tombe en panne. La compagne. Non, 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 c'est pas non, ça, je veux. Non. Alors, fais voir, boum, boum. Je peux écouter ? Elle marche bien. Oui, il marche. Hein ? Il marche. Non, mais c'est vrai, il marche. Alors, vous acceptez ? Ah ben, ça dépend, on n'a pas parlé de prix. Quel est le... Combien de temps ? Ah, aujourd'hui et demain, deux jours. Deux jours. Oui, deux jours. Deux jours. Ouais. Elle dit qu'elle veut 1000 dirhams. 1000 dirhams. Ouh là 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 là. C'est très cher. Ah oui, c'est cher. C'est trop cher. Combien vous pouvez... Moi, je pensais 150 dirhams un jour. Ça fait 300 dirhams deux jours. Ça, c'est... Parce que 1000 dirhams, non, ça c'est... Je vais louer un taxi de luxe et je vais faire tout et ça va me coûter moins cher. Tu comprends ? Ça, c'est vrai. Vous êtes un peu avare. Non, je ne suis pas un peu avare. Il faut être raisonnable quand même. Oui, oui, oui. Un homme touristique, toujours, il fait... Je propose 500 dirhams. Oui. 500, ça fait 50 euros à peu près. Bon, ça marche. Ça marche, oui. Ça marche. Mais attention, hein, il ne faut pas qu'il tombe en panne. Hein. Non, non. Je vais pas mettre le casque, d'abord parce que je roule à 40 à l'heure, même pas. Je le mettrai quand il fera froid. Voilà. Là, il y a des trous. Ça commence. Alors, on est en altitude, mais en fait, il fait pas trop froid pendant la journée. Mais ce soir, si j'ai pas réussi à trouver quelqu'un, que je dois rentrer en scooter à la nuit carrément, ça risque d'être compliqué, d'autant plus que j'ai l'impression que sa lumière n'éclaire pas grand-chose. Donc j'aurai froid et j'y verrai rien. Ça serait vraiment bien que j'arrive à me faire héberger. Et, ça marche plus. Ah, je rêve. Il n'y a plus rien. Je ne sais pas si c'est raisonnable ou je me barre avec cet engin. Bien fait de donner que la moitié déjà. Bon. Je continue, mais c'est pas raisonnable. Presque arrivé. Désert. C'est triste, un endroit qui a été habité, où il y a eu pas mal de vie, puis qui a complètement été abandonné.
ça doit être extrêmement triste pour ceux qui vivent encore là. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Il n'y a pas de route, je ne sais pas pour où je vais passer. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien. Ça Attendez, il faut que je trouve la clé pour l'arrêter. Bonjour, ça va? Vous parlez français? Un peu. Ah, c'est bien ça. C'est toujours agréable. Vous connaissez le français comme toi, salut. Ah là. Ici, c'est... Comment ça s'appelle ici? Ça s'appelle tout Aouli. Ah. C'est ça, la mine. La mine d'Aouli. Ah, ici, ça c'était la mine. C'est ici, la mine d'Aouli. Mais c'est fini? C'est fini maintenant. Ah oui, c'est ça. Oui. La France qui fabrique les museaux, elle travaille. Mais les Français, ils travaillent en 1973 et on y va. Ah d'accord, les Français sont partis en 73. 73, les Français, hop. Ouais, ça y est. Fini. Ils travaillent les Marocains. Et les Marocains, ils ont continué. Ils travaillent en 1984. Oui. Ça y est, c'est fini. Parce que le plomb, il est tombé. Ils travaillent le plomb. Le tu plomb. Le plomb. Ah, le plomb. Le plomb. Ah, travaillent. C'est des mines de plomb. De plomb. Les gardiens qui restent là, ça y est. C'est qui le gardien? C'est vous? Moi, gardien. C'est tout? C'est moi. Une personne? Moi, une personne, moi, ça y est. Pas de famille, rien? Non, il y a madame et les filles. Ah oui, filles. Combien? Moi et madame, deux filles. Deux filles? Oui. Et la mine, elle est où? Viens pour se regarder la mine. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici? Beaucoup, beaucoup, oui. Ah bon? Beaucoup de touristes qui restent là, qui viennent ici. Les touristes, ils viennent ici? Oui, les Français. Ah oui? Les Français, ils restent là. Mais là, en cette saison, il n'y a personne. Maintenant. Comment? Maintenant, non. Il fait trop froid. Oui, très froid. Ah oui. Oh. C'est les maisons rouges. Waouh, incroyable. C'est quoi? C'est quoi, les regardez? Mais oui, je suis passé là tout à l'heure. Oh, c'est incroyable. C'est madame de le gardien qui a gardé tout. Ah, d'accord. Et ça, les gens, ils habitaient là aussi, avant. Avant, oui. Avant, tout oui. Ça, il y avait des gens qui oui, habitaient. Oui, oui, a tout, ils ont changé tout. Les maisons, tout, les désert, gens. Désert, oui. Désert. Et ils dorment où quand ils viennent, les touristes? Où est-ce qu'ils dorment? Ils dormiraient à Midad, à l'hôtel. Ah oui, d'accord. Oui. Mais en haut, ici, il n'y a pas d'endroit pour dormir, en haut. Il y en a qui dorment par nous, à la maison. Chez vous? Oui. Ah ben alors, je peux dormir chez vous, alors? Oui. Une. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Bon. Toi, tu restes là? D'accord, mais d'accord. Je peux filmer, vous? Il n'y a tu pas de problème? Pas de problème, moi. Pourquoi? Je sais pas. Pas de problème. Bon, ça... Pas de problème. Bon, d'accord. Peut-être vous voulez que je paye un peu pour le logement, alors, si je reste là. Vous, ce soir, oui. Vous allez me donner à manger? Oui, le labo et tout. Qu'est-ce oui, que... mais moi, je vais vous donner quelque chose. Je vais vous donner un peu d'argent. Pas d'argent, pas de tout. Comment ça, pas d'argent? Tu dormis, tu manges, oui. On y va, bonne route et bonne route. Ben non. Pas d'argent et pas de... Non. Moi? Mais pourquoi? Parce que moi je travaille, ça y est, tu restes toi comme mon frère. Toi tu restes par nous, oui. Comme mon frère. C'est le cartable de la petite fille. Elle vient à l'école. Ah, c'est son cartable. Oui, c'est son cartable. D'accord. De la France. Le touriste comme toi qui vient à le cartable. Ah, il lui a donné un cartable. Oui. Très bien. Le cartable de la France. Mais il n'a pas de temps. 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 Il se demande ce qui se passe. Bonjour. Plat. Plat.
plaît. Dites, qu'est-ce qu'il mange? Ah oui. Qu'est-ce qu'il mange là? Il va manger ce que tu vas lui donner. Comme ça? Comme ça? Ah, ça c'est cadeau alors? Non, c'est pas le cadeau. Viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, des lapins! Des lapins partout! Ils veulent s'en aller! Ah, les coqs et les dindons. Ah, bah ça va, il y a du monde ici. Hein. Là, il mangeait les papiers. Les pains, il mangeait. Bon cassette. Toi, tu fais bon cassette. C'est le chef de les coqs. Hein? Vous êtes arabe ou berbère? Berbère. Ah, c'est berbère ici. Berbère. Mais je connais le berbère, je connais l'arabe et je connais le français. Tu parles trois langues. Et ta femme, elle parle le berbère aussi? Le berbère. Tous les berbères. Et l'arabe? Oui. Ah oui. Et un peu le français. Votre il fait un garçon et deux garçons, ça y est. Ah oui. Mais nous, deux enfants, pas plus. Pas plus. Ah. Mais nous, il fait 7, 8, 9. Pas d'argent, mais il fait 7, 8, 9. Alors pourquoi les berbères ils font beaucoup d'enfants et pourquoi les Européens qui sont riches ils font pas beaucoup d'enfants? Pourquoi? Je ne connais pas madame qui connaît. Alors pourquoi vous faites beaucoup d'enfants, vous, les berbères? Moi, non, oui. Deux. À deux enfants, c'est tout? Deux. Pas plus? Non. C'est plus facile à nourrir? Oui, il est facile, très facile. Oui. Deux, il mange bien. Oui. Il reste bien, il est bien. Oui, je comprends. Mais sept, quatre, impossible. Impossible de les nourrir. Impossible. C'est quoi là? Dis-moi. Un chat. Un chien. Un mâle. Un lapin. Un moto. Un moto. Le papillon vole. Le papillon vole. Le chat court. Le chat court. Les poissons, nageant. Le serpent, rampe. Allez, même. Ah, ça fait pleurer, hein. On fait la marmotte. Ah, c'est l'oignon, hein. C'est toi, je m'aide. C'est quoi, du mouton? Non. Mouton, bœuf. Non. Poulet. Oui. Poulet. C'est pas comme les fesses. Ce n'est pas comme face la vie, mais c'est la comparée. Non, mais c'est bien, parce que c'est calme. Calme. Oh, mon Dieu. Coucou. Allez. Manger. Ça va. C'est très bon. Marhaban. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Merci. Pardon. Non, je ne sais pas merci. Manger beaucoup. Mon museau comme ton museau. Fais comme chez toi. Ouais. Voilà, fais comme chez toi. Ouais. Bon. Fais comme chez toi. C'est pas un accueil ça? Fais comme chez toi. Comme chez toi. Ouais. Ben, c'est pile poil ce que j'étais en train de faire. Oui. À la France, oui. Est-ce qu'il y en a les compagnes comme les Marocains, pas d'électricité? Non, maintenant il y a l'électricité partout. Tu les campagnes? Toutes les campagnes. C'est bon, Ramzi. Moi, je vais à l'extérieur.
Voilà, alors ici, c'est Merzouga, les portes du désert. Et moi, j'aimerais bien aller à la rencontre des nomades. Alors, je sais pas très bien où il y en a, mais pour aller dans le désert, de toute façon, la première chose à faire, c'est qu'il faut que je trouve un 4x4. Ça va ? Ça va. C'est Taouz, une petite ville, une des dernières avant la frontière algérienne. Et maintenant, je cherche, on cherche, mon chauffeur qui parle pas français, on cherche des nomades. On est en, je pense que là, on est un peu en dehors des routes touristiques, c'est même à peu près sûr. Et ben, on va essayer d'en trouver, je sais pas du tout où, lui non plus d'ailleurs. Et puis après, ben, j'irai les voir et on verra bien comment ils vont me recevoir. Voilà. انت داير باتين مي ها ها وري لي وقيضه صافي اللاين و تي خامين وردي وردي سلين ها bon apparemment il y a du monde pas trop loin, on va voir. Bien. Donc la voiture est derrière et on a repéré des tentes, mais il y a également des constructions aussi. Donc je sais pas très bien si c'est des nomades ou des gens qui sont là tout le temps. Je sais pas où je vais. Je sens moyennement. Pas l'air très authentique ce truc. Auberge, camping. Bon, voilà, les choses sont claires. Je suis arrivé chez Zaïd. Les nomades ici, la région d'ici, elles sont tout le monde à construire des petites maisons. Tu connais? Comme la tente, mais pas la tente. Ils ont construit des maisons à côté? Oui, des maisons à côté, mais les tentes avec le vent et tout ça, ça marche pas. Mais alors, y a plus, les nomades, il n'y a plus de nomades? Oui, avec la chasseresse et tout ça, pas beaucoup de légumes comme ça pour manger avec les... Ils sont rentrés des villages parce que ce moment-là, il y a des enfants qui vont à l'école. Bon, c'est obligé de rentrer au village. Ah oui? Oui.
Et à Merzouga, il y a des tentes aussi derrière les dunes. Des tentes dans le oasis, pas les tentes des nomades. C'est oui, juste pour les touristes? Oui, juste pour les touristes, c'est vrai. Mais les nomades... Et là-bas, le oasis, ce que je te dis, moi, c'est qu'il y a des nomades, mais avec des petites chambres. Et pas belles des chambres comme ça. Avec les cailloux, c'est pas grand-chose. Mais l'oasis là que je te dis, lui, il ne connaît pas à côté de la piste. Oui. Si tu veux, je te le ramène maintenant. Il y a des nomades là-bas. Bonjour les enfants. Monsieur. Monsieur. Je vais rien acheter tout de suite, je vais visiter d'abord. Monsieur. Bonjour. Un gâteau. Alors, là au moins, je suis à un endroit Monsieur. Où tout le monde ne va pas. Parce que je peux vous dire qu'on a fait de la route pour arriver gâteau. Ici. Bonjour. Merci, Chopran. Marhaba. Oui, oui. Marhaba. Ça va? Achète, monsieur. Je vais dire bonjour? Oui. Je peux aller? Je vais. Ok. Oui. J'ai vu les très jolis petits colliers. Oui. Hein. Achète. J'achète. Achète. Bon, on va voir après. Achète. Salam alaikum. Salam. Alaikum salam. C'est ça qu'il faut que je dise. Hein. Tabas. Comment? Tabas. Moi? Moi, je voudrais dormir ici. Moi? Je viens ici. Je vais dormir. Vous comprenez? Le soleil, il se couche, c'est la nuit, je dors. Oui. Le matin, le soleil, il se lève. Hein, le soleil, il se lève, et moi, je m'en vais. Oui. C'est possible, je dors ici? Oui. Nam? Oui. Je vais dire à la voiture de venir. Bon, c'est pas très facile à expliquer. Mais je vais sortir mon sac de couchage et ça devrait être plus clair. Wow! Bon, je connais un truc qui fait du bruit. Alors, je sais pas ce que ça va donner parce que là, il y a que les femmes. Et je sais pas du tout ce que... Je sais pas comment ça fonctionne ici, donc je sais pas si un homme qui arrive qui demande à rester, ou alors les hommes vont arriver après, j'en sais rien. J'en sais rien, j'essaye, voilà. Oh bah les femmes maintenant elles sont toutes voilées. Alors ça c'est très intéressant parce que maintenant que la voiture arrive avec le chauffeur, les femmes se sont complètement voilées. Ok? Shukran. Ça nous casse les oreilles. Voilà. Moi, je peux dormir là? Ici? Non. No? Non. Ici? Non. No? Ici? Non. Non plus? Bon, alors, c'est pas gagné. Bon, alors, il y a le chauffeur qui est derrière qui va pouvoir m'aider à traduire là. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Il a dit son mari, il a dit, tu ne laisses pas les gens comme l'émission rentrer sans l'accord de moi. Ah, et il est où son mari alors? Je ne sais pas, il est parti berger ou bien travailler, je ne sais pas, c'est ça qu'il a dit. Ah. Voilà, boss. Hein?
بونجور اني اور يمكن ان نصغر وندين ماذا يمكن الا ما ينسى نسوت نسوت امرته ما ظهر امرته واخذ اخ اخ وين حاسب كل والو يلا مونيت خلينا نقول لك المشكل اللي كان غادي يشروني يلا دي الوي بروبليم سي تو فون باس لا ويش الوي داكور اه وي انت في توا il est d'accord oui il est d'accord bon, allez yalla là on y va Tu veux une photo? Tiens, regarde. Regarde, une photo. Voilà, une photo. Ah oui, aussi, oui. Oh, moi, je veux une tête de tête. Les moutons, chouf, chouf, mouton. Non, c'est pas des moutons, c'est des chèvres. Heureusement que j'ai rencontré le jeune homme là qui traduit un peu parce que sinon je crois que j'aurais quand même du mal à comprendre. Tu veux filmer? Allez, vas-y. Tu vois quelque chose? Ah oui. Tu vois quelque chose? Oui. Ah oui. Bonjour. Ah oui. C'est pas moi qui filme, c'est lui, hein? Voilà. Voilà. C'est bon, tu donnes? Voilà. Toi, tu es un professionnel. Tu as fait les images. Okay. Attends, voilà. Voilà. Ok. يا ردي كرف صخب دكتور أنت ما يسلم يمشي ضغير فاخذ وات حاجة بس ناشي لأن ماذا تقوم دي دين لم تحسن نرقو نزاد نسوي دين أنا صح tu peux lui demander il préfère la habiter dans la tente ou dans la maison comme ça ليش هدس نتيجة تصدق تصنات ah oui Est-ce qu'il existe des gens qui n'ont que la tente encore? Il y a des gens qui font la tente, mais loin d'ici. Pas rester, pas fixe. Des nomades? Oui, des nomades, pas fixe, mais lui c'est fixe. Ah, ils se déplacent plus? Oui, oui. Quand ils marchent, ils restent sous sa femme et ses enfants. Ils partent tout seuls. Ah oui, ils partent tout seuls maintenant. Oui, avec les chèvres. Tomate,
Bon, je sais pas si vous avez déjà entendu un dromadaire, mais ça fait un petit peu ce bruit-là. Enfin, moi, j'ai attrapé la crève pendant la nuit. Il fait froid dans le désert en décembre. En tout cas, c'est la fin de ce voyage au Maroc. Les gens ont été vraiment très sympas. Et là, je vais rentrer à la maison avant de repartir. Je sais pas où, mais dans le même esprit. Donc, on se retrouve bientôt.